Je vais vous faire un petit haul, un nose. Donc, hier, on était très mouillés avec mon Lulu à nose. Et je suis tombée sur plein de choses de la marque que je connaissais pas du tout. Nelise Choise. C-H-O-I-S-E. Nelise. Le prénom Nelise Choise. Alors, je sais pas du tout, je connaissais pas, mais il y a plein de choix. Il y avait plein de choix. Plein de dies, plein de pochoirs et de classeurs d'embossage. Donc j'ai trouvé plein de petites pépites encore. Alors j'ai trouvé un tout petit classeur d'embossage. C'est marqué le... Ah papi. Le mot baby. Voilà, un tout petit classeur d'embossage. J'ai trouvé un super dies qui est trop mignon. Un petit oiseau sur une branche. Alors, il y avait plein de choix. J'aurais bien aimé trouver la petite fée, là, avec le petit lapin, là. Il y avait tous ces choix derrière. Oh, des petits chats aussi, j'aurais bien aimé les trouver. Des petits matous, là. Bon, bah, je suis tombée déjà sur ça, hein. Un petit oiseau. Après, il y avait plein de petits mots. Bon, c'est pas marqué en français. Donc, c'est des dice comme ça. Et le mot, alors, j'arrive pas à vous le dire. Faut que je regarde ce que ça veut dire. Parce que voilà, c'est ça, les mots. Si vous savez traduire avant moi. Voilà. Il y a plein de petits mots. Voilà, ça. Il y a tout ça derrière. Voilà. Après, d'autres formes de petits mots. Là, c'est... Ralph, yeah. Viens mon ado, viens. Non, je viens pas. Donc il y a des petits mots comme ça encore. Voilà. Viens, Ron. Viens, viens. Viens, 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 viens. Là, je suis sur le lit de mon Lulu. Voilà, voilà. Avec Monsieur Ron. Vous ne voyez pas, il est juste là. Ah, il ne veut pas se montrer. Le gros pépère. Donc voilà, donc j'ai trouvé un autre dice. Ça c'est une petite voiture avec un petit vélo dessus, des petits bagages sympatoche, et il y avait tous les choix. Oh, j'ai trouvé que celui-ci, hein. Mais trop marrant cette petite voiture avec son petit vélo dessus. J'avais pas ce genre de petits dies. Là j'ai trouvé voilà, ça peut faire une grosse boule de Noël en fait. Sympatoche, il y avait des modèles comme ça aussi. Donc j'ai trouvé que celui-ci, moi. Et sympatoche. Hein. À 1,99€. Ça va comme dice. J'ai trouvé aussi celui-ci. Qui est très 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 joli. J'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé des tout petits dice. Celui-ci là pour faire. C'est un pliage pour faire ce genre de fleurs. Donc, il y a l'explication derrière comment réaliser la fleur. Voilà, c'est pour faire des découpes. Ça, c'est pour faire plusieurs pétales. Ça va, Ron, t'as fait tomber le coussin, t'es content? Il donne des grands coups de tête dans les coussins. Donc, voilà, donc ça peut faire ce genre de fleurs. Comme ça, patoche. Là, encore un tout petit mot. Alors là... que je perde, c'est le mot menu. Ça ira bien pour faire les menus de Noël ou de fin d'année. Voilà. Et après j'ai trouvé un pochoir, ce style là un peu forme un peu bizarre, sympatoche, qui change un peu.
Et dans la même collection, il y avait tous ces autres dies, pochoirs. Donc moi j'ai trouvé celui-ci. Il y en avait plein d'autres. Plein d'autres, mais comme j'en ai déjà plein, celui-ci, j'avais pas ce petit truc, ça m'a botté. J'ai dit, tiens, ça pourra faire un fond un peu bizarre. Sympatoche, pourquoi pas. Un peu toile d'araignée, ça aurait pu faire aussi pour Halloween, ça. Ça fait un peu toile d'araignée. Et j'ai trouvé un classeur d'embossage. Une forme un peu aussi originale. Voilà, je pense que vous allez bien voir, ça fait ça. Donc il y avait encore des. Il y en avait des dizaines et des dizaines, des bacs, deux bacs entiers de trucs comme ça, là. Et il y avait encore plein de choses Studio Line. Arbor Marlène, plein de choses Studio Line, mais bon, j'ai pas pris parce que bon, faut pas tout prendre, hein. Mais là, j'avais pas cette marque-là. Et puis, c'est des choses qui changent un petit peu. Voilà. Donc, j'ai été faire mon petit tour à Noz hier. Voilà. En se baladant. Petit tour à Noz. Non, j'ai pas été action. Non. Là, je suis en train de réaliser. Voilà. Ça, je vais ranger tout ça dans mes boîtes de dice. Voilà. Là, je suis en train de réaliser. J'ai fini le calendrier de l'Avent de mon Lulu. Et je suis en train d'en faire 6 autres. J'en ai 6 à faire. Donc, j'en suis à un deuxième qui est presque terminé. Je vous montrerai ça demain. Et puis, bah, j'en ai 6 à faire pour les petits-enfants de mon mari. Voilà. Que ses grands-enfants ont déjà des enfants et des papis. Voilà. Donc, j'en ai 6 à faire. Donc, je vais m'atteler à faire ça dans les semaines qui suivent parce que ça prend du temps. Et ça prend du temps. J'ai aussi des couronnes de portes à faire. Donc, voilà. J'ai pas mal de petites choses à faire. Pas en scrap. Je verrai si j'ai le temps de faire en scrap, mais ça va être un peu plus compliqué. Demain, je récupère la cage de transport de Miss Grivous, la sœur de Tabata, qui va être stérilisée officiellement mardi matin. Le jour J. Donc, demain matin à 9 h précise, à l'ouverture du cabinet vétérinaire, je récupère la cage pour la transporter. Parce que ce n'est pas une cage de chat ordinaire. C'est un truc qui s'ouvre dessus, qui se ferme automatiquement. Là. Voilà, comme elle est sauvage. Et puis, il faut que je lui trouve quelque chose qui la calme aussi, son calmant, qu'elle doit me donner, le vétérinaire. Voilà, son petit calmant. Et puis, bah, je l'emmène mardi matin. Voilà, comme ça, il y aura déjà deux minouches de fête. Voilà. Pour le blabla chat. Autrement, bah, tout le monde se porte à merveille au niveau des autres minets. Voilà. Ce matin, Monsieur Ron a failli se faire courser par Dédé Lambrouille. Il est rentré in extremis avant qu'il arrive la bagarre. Il a eu chaud aux moustaches. Après, il était se réfugié dans la chambre de mon Lulu, où je suis, et il n'a pas bougé de la journée. Il a eu la frayeur, la trouille de sa vie. Oh, c'est bestiole. Voilà, autrement, Tabata, elle repète la forme. Elle a aussi retrouvé son mauvais caractère, donc c'est que tout va bien. Elle a soufflé après tout le monde aujourd'hui, y compris moi. Donc, tout va bien. Voilà, pour le blabla chat. Et demain, ça y est, mon fils reprend le lycée. Oh my god. Oh my goodness. Bon, ben voilà. Fini les vacances d'Halloween, vacances de Toussaint. Donc voilà, demain retour à la vie normale pour mon Lulu. Voilà. Bon, ben, on se retrouvera demain. Je vous montrerai si j'ai terminé mon calendrier de l'Avent, le deuxième. Je vous montrerai tout ça. Et j'en ai encore ben, voilà, 5 autres à faire après. Donc il faut que je m'attelle et que je me dépêche. Pour que je donne ça, bien sûr, avant le 1er décembre. Donc, voilà.
Bon, bah, je vous laisse, Escrapadite. J'espère que ce petit haul, ben, j'ai quand même trouvé des pépites, je suis contente. Donc, allez voir, il y a cette marque qui est arrivée là. Plein d'arrivages de cette marque, Nélise. Je ne savais pas du tout que ça existait, cette marque. Je ne sais pas. Je sens que c'est des Pays-Bas. J'en suis pas sûre. J'en suis pas sûre. Je ne dirais pas de dire des bêtises. Voilà, donc il y a un arrivage de Nélise. Nélise Choise. À Banos. Voilà. Et il y a encore plein de choses de Studio Light. Ça regorgeait de dyes en tout genre. Et de pochoirs, de. Voilà. De classeurs d'embossage. Voilà. Il y a plein de choses aussi de Noël que. Bah, j'ai pris deux petits embellissements de Noël pour mettre sur mes calendriers de l'Avent, là. Voilà, je vous montrerai tout ça. Voilà les scrapadics pour ce petit haul nose. Je vous fais plein de scrap bisous. J'espère que tout roule pour vous. Merci aux nouveaux abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Merci. Ça me fait grand plaisir. Ça me touche énormément. Merci. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Plein de scrap bisous à tous et à toutes. Bisous, bisous.